Madame la Président, si tu es, tu n'es pas là, il y avait une petite rubrique sur la clé de la chambre de commerce, avec les nouveaux bureaux de la chambre de commerce, qui est le 14 mars dernier, toujours notre ami Alexandre Dupont à la présidence. Quelques événements que vous retrouverez bien sûr sur les médias français. Et un hashtag, un petit mot de notre ami Emmanuel, encore lui, décidément, c'est le fil rouge de cette soirée. Voilà, donc, je suis super rapide. Donc, hier, il y avait Fashion Tech. Donc, la Fashion Tech est en force ici avec Mélodie, Frédéric, Vincent, etc. Mais hier, Fashion Tech, le prochain, c'est le mercredi 3 mai avec Damien de CM Cardil. On va faire un Car Tech. Il y a énormément de speakers qui prétendent à être speakers, on va les sélectionner, c'est un travail de fou. Et l'université dont je parle, le partenariat dont je parlais avec l'université de Toulouse et Assumption est parti. On a envoyé l'invitation aux startups, on a fait une annonce publique et les 7 meilleures startups auront 5 étudiants chacune pour travailler sur un projet. Donc, énorme. Ça va être énorme. Bravo. Super. Et on va passer maintenant à cette section sur le Rotary. Voilà, le Rotary qui va nous expliquer en quelques minutes quelles sont ses actions en Thaïlande. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci. Bon, je ne vais pas être très long parce que je crois que c'est tard. Vous avez fait, mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir accueilli avec mes collègues. C'était très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, moi, je vais vous présenter rapidement. Moi, je suis médecin, psychiatre, psychanalyste, je travaille en France, à Lyon, et je suis toujours occupé d'enfants délinquants. Et après, je suis parti en premier livre, comme peut-être, après, je suis allé en Thaïlande, et j'ai cherché un médecin pour s'occuper des enfants en Lyon, parce que c'est un peu que récit. Alors ensuite, j'ai été donc, président du Rotary, Fataya Marina. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le seul Rotary de langue française, le seul Rotary francophone. Et ça, c'est important parce que, à mon avis, il faut le soutenir et le développer. On est un peu éloigné à Pattaya, on est venu vous voir, et on est prêt à revenir pour nous associer dans nos projets si ça vous intéresse et si vous êtes preneur. Donc le Rotary de Pattaya, il est né en 2004. Et très rapidement, il y a eu le tsunami, donc il a été mis en œuvre très rapidement pour aider les gens qui ont eu le tsunami. On est intervenu sur des tas d'endroits, dans les orphelinats, des interventions chirurgicales pour les enfants avec des pecs de lièvre, aide d'une petite fille qui était handicapée, aide à l'orphelinat de Valjinja, il y avait des. Et le point sur lequel j'aimerais surtout insister et avoir votre avis et vous associer, c'est sur le carré. Donc depuis 2008, l'initiative de Florent Pellerin, on intervient au niveau du peuple carré qui est un peu des montagnes. Donc cette année, on est allé voir un village qui s'appelle Kikri. Donc on a pris l'avion en Bangkok jusqu'à Bessot pour aller jusqu'à ce village qui a fait 5 heures de route. De montagne très difficile, donc l'aide est difficile à apporter, elle coûte cher. Il y a une aide, nous ne proposons pas politique, il y a une aide à la Thaïlande tout à fait efficace, il faut former des systèmes anneaux pour les tôles, mais il n'y a pas de système anneaux pour les villages, les enfants rentrent chez eux, ils boivent de l'eau qui pollue et ils ont des intoxications, ils ont pas de mal. Donc notre projet, notre petit peu plus loin, ça a été d'amener les filtres en haut. Donc on peut avoir un cadre d'origine dans la montagne et après vous aurez par la forêt, c'est la piste avec une sortie de l'hôpital. Donc là les clubs sont financés et vous devez avoir une partie des filtres, j'espère qu'ils vont apparaître, dans le village. Et donc les filtres permettent d'avoir l'eau potable pour les enfants qui arrivent chez eux et éviter qu'il y ait des maladies. Et c'est important de. On a fait ça depuis 2008, et on continue à le faire, pas le système, pas le système de suite. Donc, voilà.
du général où on est allé. Donc les gens sont très 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 demandeurs. Donc il faut aller. On s'arrête. Les gens parlent de Bordeaux par là. Et en plus, ça fait qu'un ami, je peux dire, c'est quand même, je rappelle le plus de choses possibles. Il faut savoir que le système éducatif, il n'est pas l'école, le problème de l'école, il faut être des instituteurs, les instituteurs, c'est pas les interconditions, ils sont très invités. Donc, on a été amené à financer un dortoir, un essor qui va vivre dans les instituts, ça va au champ de la ville, ça va vite sur la ville, et aussi de l'île. Donc, pourquoi je suis venu vous voir ce soir? Parce que quand j'ai pris la présidence, je me suis aperçu qu'on n'avait aucun souci. Aucun souci. On n'entend pas. Et je me suis aperçu qu'on n'avait aucun souci. Donc je me suis ouvert à mes yeux avec le monde du monde, la bonne commerce que je remercie. Je me suis écouté, mais les deux peuvent voir. Merci d'être là. Et pour vous poser ces questions-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous associer? Est-ce que vous seriez partant pour aider cette aide humanitaire qu'on renouvelle toutes les années pour les gens qui sont vraiment très 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 démunis, et surtout pour les enfants qui vont essayer de les maintenir en bonne santé malgré l'éloignement et les difficultés qui existent. Alors, nous, ce qu'on a donné dans le premier temps, c'est d'abord peut-être que vous puissiez nous reconnaître, d'abord, vous n'êtes pas OK, on sait que vous existez. Donc on a un site, on a un endroit spécial pour les sponsors. Donc il y a des gens qui veulent nous aider sponsorisés. On ne vous demande pas l'argent, mais déjà, on vous souhaite la formation. Et puis après, comment faire une action transparente? Si vous souhaitez participer à ce moment-là, vous pouvez tout à fait le faire, ce sera avec plaisir. Voilà, j'ai été très rapide, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et si vous souhaitez nous rejoindre et s'associer à notre action humanitaire, écoutez, vous serez les bienvenus. Je sais que l'humanitaire, je vais en avoir à la casquette, mais nous avons la télé avec les catastrophes partout. Et c'est vrai, partout, c'est vrai. Mais pour nous, on a des enfants qui habitent, je parle de chez nous, c'est un Thaïlande. Si on peut les aider, ça vaut quand même. Merci. Très bien, un dernier mot sur l'APM, et là c'est Frédéric qui va, ou peut-être pas d'ailleurs, parce qu'il est déjà là. Ah, il ne peut pas parler, c'était juste. Je voulais remercier au nom de tous ceux qui étaient présents pour voir où ça va, ça a été un moment extraordinaire. Merci encore pour tout ça. On finit vite car ça sent la quiche. Un peu de respect pour la confidentialité, la vie privée, pour ce qui se passe dans les soirées, ça reste entre nous. Merci de respecter cette règle. Et un dernier mot sur notre prochaine soirée, encore une fois, c'est l'Assemblée Générale de DBA au mois de mai. Donc une soirée un petit peu particulière dont on vous parlera par email. Et le reste, juin, septembre, c'est loin pour l'instant, c'est le dîner. Merci encore. Ciao, ciao. Par contre, vous pouvez sortir, s'il vous plaît, parce qu'ils ont besoin de ranger les chaises. On m'a demandé de l'annoncer, ils ont besoin de 10 minutes pour organiser le lieu de...